Entre le Tchad et la Guinée-Bissau, ce sont de vieilles relations d'amitié et de coopération. Et c'est pour impulser une nouvelle dynamique et densifier ces relations que le président de transition chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, est à Bissau ce 29 octobre. Le ton de cette première visite d'amitié et de travail du général Mahamat Idriss Déby Itno en terre bissau-guinéenne est donné à l'aéroport Osvaldo Vieira de Bissau, où le dispositif d'accueil de grand jour a été déployé. Tapis rouge et haies d'honneur étaient déjà en place à son arrivée à 20h30 minutes locales, 1 heure de plus à N'Djamena. Au bas de la passerelle se trouvait le président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, venu personnellement accueillir son hôte de marque et lui réaffirmer son amitié et celle du peuple bissau-guinéen. La dernière rencontre au sommet entre le général Mahamat Idriss Déby Itno et Umaro Sissoco Embalo remontait au 10 août 2022, où le président bissau-guinéen et président en exercice de la CEDEAO a fait le déplacement de N'Djamena pour assister aux festivités marquant le 62e anniversaire de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale. Le président de la République, général Mahamat Idriss Déby Itno, rend ainsi la politesse à son homologue en effectuant cette visite d'amitié et de travail. Fini l'accueil, la délégation présidentielle tchadienne est conduite au Palais de la République où un dîner est offert en l'honneur de l'hôte de marque de la République de Guinée-Bissau, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Dans le cadre de cette visite du chef de l'État, il est prévu une rencontre bilatérale avec son homologue Umaro Sissoco Embalo, rencontre au cours de laquelle les deux chefs d'État passeront en revue un certain nombre des questions bilatérales d'intérêt commun et se pencheront sur les perspectives du renforcement de la coopération au niveau multilatéral.